Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de Sadkid de 46, un jeune joueur de Roblox, ayant inquiété des millions de personnes. Avant que je vous raconte son histoire, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et à me dire si le retour des histoires Roblox vous plaît. Bon visionnage. Sadkid 246 était un jeune joueur Roblox, il adorait jouer à MM2, mais il n'avait aucun ami et son pseudo était étrange. La description de son profil était inquiétante. Il disait « Je ne devrais pas être là ». Comme son pseudo l'indique, il n'avait pas une vie heureuse. En réalité, il se faisait battre par son père. Quand le voisin est sorti, il l'a tout de suite activé, mais un jour, il jouait à MM2 avec Sony micro ouvert et parlait avec d'autres joueurs. Et à un moment, on entendait des cris de douleur. Je vous mets plusieurs extraits où on l'entend. Comme vous avez pu l'entendre, il se faisait frapper. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et beaucoup de peine pour lui. Ce qui est encore plus choquant, c'est que Sadkid ne s'est jamais reconnecté à Roblox. Tout le monde se demande ce qu'il a pu lui arriver. Est-il sain et sauf? Ou se fait-il encore frapper? On ne le sait pas. Je vous laisse dire ce que vous en pensez. Aucune personne ne devrait encore subir ça.